imerire wawe owa momo Afrika ngakonja ndero bekusubera Afrika bekusubera Afrika bekusubera Afrika. La Namibie, dernier pays d'Afrique à avoir accédé à l'indépendance, pourrait servir de modèle à bon nombre d'États. Cette ancienne colonie allemande est parvenue à sortir de 70 années de domination sud-africaine, de l'apartheid et de la guerre, pour devenir en quelques années une démocratie pluraliste. Une évolution exemplaire à bien des égards, compte tenu du contexte géopolitique de la région et surtout de l'extraordinaire mosaïque ethnique de ce pays. La Namibie, c'est 1,9 million d'habitants répartis en 12 ethnies et 20 groupes linguistiques sur 825 000 km². Les droits des minorités sont garantis depuis 1990 par la constitution du nouvel État, qui assure également la liberté de la presse et l'élection du chef de l'État au suffrage universel. D'importantes découvertes paléontologiques faites en Namibie viennent étayer la thèse selon laquelle l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Certains vestiges remontent à plus de 10 millions d'années et le pays n'a pas encore livré tous ses secrets. Son climat rigoureux et son désert côtier protégèrent longtemps la Namibie de l'expansionnisme occidental. Pour les Européens de l'époque, séjourner sur une côte qui n'offrait ni ravitaillement, ni esclaves, ni ivoire, était une perte de temps. Un certain Baude, capitaine de vaisseau hollandais, nota du reste dans son journal « Ici, pas le plus petit avantage en perspective pour nos maîtres. Tout n'est que sable, rochers, tempêtes. » Dès 1907, le sud-ouest africain manifesta son attachement à l'environnement en créant autour d'Etosha le premier parc national du continent. Son histoire reflète les changements politiques et les différentes orientations des gouvernements allemands puis sud-africains en matière de sauvegarde de la nature. Etosha est le plus célèbre et le plus visité des parcs namibiens. Dès 1876, des marchands s'émerveillèrent devant les immenses troupeaux qui parcouraient cette région. Mais à la fin du siècle, une épidémie frappa gibier et bétail et contraignit la cavalerie allemande à décimer les bêtes à la mitrailleuse. En 1907, le parc fut créé afin de protéger les animaux en voie de disparition. À l'origine, les animaux sauvages étaient libres de se déplacer au rythme des pluies et des saisons pour trouver la meilleure nourriture dans un périmètre de près de 100 000 km². Kuri
Oh, tell me, 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 tell